Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se trouve pour une toute nouvelle vidéo de cyclisme. Et aujourd'hui, on va tout simplement parler de l'actualité. Et on va notamment parler dans cette vidéo du mercato 2021-2022 pour les professionnels. Alors, juste avant que la vidéo commence, je tenais à vous informer que j'ai pris les principaux transferts, les principaux mercato, parce que je ne vais pas mettre les équipes non plus Continental ou Continental Pro. Je vous invite surtout à vous abonner, c'est très important parce que les amis, si on atteint les 1000 abonnés avant 2022, je ferai, et je tiens ma promesse, une vidéo spéciale 250 km. Du coup, si vous voulez que je fasse une vidéo de 250 km, parce que pour ceux qui ne savent pas, j'avais fait une vidéo 200 km il y a 2 ans, je crois, 1 an et demi. Et là, cette année, j'aimerais bien faire une petite vidéo de 250 km. Mais c'est seulement si on atteint les 1000 abonnés avant 2022. En plus, ça me fait un petit challenge. D'ailleurs, même vous pouvez participer à ce challenge-là parce que je donnerai un point de rendez-vous si vous voulez participer et faire les 250 km avec moi. Et également, les amis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour le référencement. Ça me ferait super plaisir. We'll be right back.
la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel mercato pour vous est au sommet de cette saison. Peter Sagan, en vrai, ça a été un gros transfert pour la totale, mais on va pas se mentir, il est parti chercher son chèque, Elia Viviani, alors qu'on sait très bien que Viviani, à la Ineos, il n'y a pas de sprinter, donc je sais pas comment il va faire pour sprinter tout seul. Bah